Ouais, mais je vais la FF, hein, je vais rester Bah oui, bide. bah oui. J'ai accepté d'avoir fait de la merde. Oh la vilaine armure. Yo Mansko, Mais merci pour les 21 mois. Attends, je me fais un petit level up, mec, parce qu'il faut que je monte de niveau. Très rapidement. Les gars. Faut que je goûte leur nouveau truc qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé le cactus ice. Ressemble à ça. Ice. Ouais, le cactus ice, mec. D'accord. Je vais tester ça. Bah, je sais pas du tout, mec. Cactus. J'ai jamais goûté du cactus, donc je t'avoue, je sais pas trop. Ah, c'est vraiment au cactus? Mais non, mais je sais pas du tout à quoi ça, ce que ça goûte. Ah, ça me dit trop un truc, l'odeur. Mais je vois pas ce que c'est. Hop, petite dose. Oh, jure, ça crépite. Oh, ça me dit vraiment trop un truc, l'odeur, mais. J'arrive pas à dire ce que c'est. C'est un truc que j'aime bien en plus, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Oh là là, la couleur, elle est en train de matcher. Elle match mon shaker, genre, c'est magnifique. Vous entendez ou pas, ça crépite? Oh, le T'entends ou pas? shroud. T'entends ou pas, ça crépite? Tant pas. Incroyable. Le shroud, c'est jamais ça. Une paire de Nidalee. Je vais me laver les mains vite, j'ai mis de la poudre sur mes doigts. Pas de paire de Wukong, top pute. Oh non mec, j'ai mis un Wukong. Je suis désolé. Après ça change rien, je sais. Deux c'est pas mal hein. Un c'est big. Je trouve ça assez J'aime bien cool. le 1, c'est Mais, et un, Sunfire plus. ouais, un item tank serait big. Ah. Genre pas ça. Mais Après, c'est bien sur Ezreal, hein. C'est des bonnes stats. Ça peut snowball. Ouais, Après, il y a une Nidalee qui Nidalee. passe 2, on peut prendre le 1. Bah pour moi, c'est soit tu fais Mana Zen Spell Crit, soit Devdance IE. Mais comme t'as Nidalee 2, je dirais Devdance. Ouais, j'aime bien la Nidalee 2. On a rien de. Tu sais, qui concorde. Y en a rien qui correspond à l'autre truc, quoi. Y'a pas de bruiser, on a pas de. Mais un Malph, peut-être. Ouais, whatever. Sunfire ici. Ça crépite de zinzin! En vrai, les gars, c'est trop bon. Par contre, je crois que je comprends pourquoi ils appellent ça Cactus Ice. Développe. Bah, y a une petite vibe de cactus, quoi. Mais. Hey, comment ça? Mais je Une vague de cactus. Non. Mais. Je saurais pas expliquer pourquoi. Rien dire, mec. Je te jure, il y a une vibe de cactus. Ça. En vrai, si tu goûtais, tu saurais. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais il y a 40% de réduction à l'achat de 80 € de produits avec le code AMSOFRESH. Incroyable. C'est dommage parce que je bois déjà beaucoup de café et je pense que c'est pas compatible. Bah, tu peux skip. Moi aussi, je bois beaucoup de café. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai pris un demi-café à midi. Et là, je voulais prendre un café, mais je me suis dit non, je vais prendre un level up à la place. Ouais, mais j'aime trop le café. Moi aussi, j'aime trop le café. C'est pour ça que du level up, j'en prends genre 2 fois par semaine max. Parce que je peux pas prendre les deux en même temps. Alors, on va jouer au jeu des paires. Moi, je pense que c'est Wukong 2, prochain tour. Raté. Zen Twitch sèche, ouais. On reste sur Nida avec Devdance, non? Ouais, t'inquiète, mais je pense qu'on va juste prendre Lux là en fait.
Elle peut mettre des bursts en vrai, ça peut être bien. Elle peut clean up, tu vois. Vise quoi au carreau ? Milieu ? Franchement, mec. Ouais. La Suspeur, non ? C'est Turbo Broken, la Suspeur. C'est vrai. Un des deux, quoi. Après, je prends un truc à slam, peu importe ce que c'est. Hein. Même QSS, en vrai, je prends. Ouais. Il y a trap low. Ah, peut-être pas de QSS, non, très plus, faut se faire foutre. Même TJ en vrai, je prends. Y'a un TJ Olaf là. Waouh. Prends une tire, je fais Hoge. J'aime pas trop, mais. C'est bof avec Dead Dance. Cloak, hein. Figure, une âne, tout dans le genre. Ou Stoneplate, le truc. Pas mal là. On a combien d'étoiles ? 2, 4, 5, 6. Faut arriver à 7 rapidement là. On push next level. Ça signifie. Attends, mais il y avait un Gnar là. Pourquoi j'ai pas viré Lux ? J'ai pas vu non plus. Bah super. C'est là pour voir les trucs que je vois pas, mec. Tu me déçois. T'as changé expérience. Ouais, je suis juste là pour jouer aux échecs maintenant. Ouais, je suis juste là pour te faire souiller aux échecs. C'est vrai. Mais au moins j'apprends. Je rigole. Je suis pas un mec prétentieux, moi. Je fais juste semblant d'être. Aucun amour propre d'échec. Je sais que je suis toujours bon nul. Moi quand je joue avec des mecs comme Blitzstream, t'inquiète moi aussi. Hein. On est tous le nul de quelqu'un d'autre. On va faire jusqu'à un certain point. Hein. Jamais sage. On chill. Oh, le Eternal Winter, il va me péter les couilles, je le sens. Viens, je t'amène une QSS, la vérité. Tu as déjà tag le Eternal Winter. C'est vrai. Mais c'est un peu le son de le volume, parce que c'est un peu fort. C'est toi qui va jouer Double Trouble Lilu 3. Tech Double Trouble avec Astral, apparemment c'est turbo fumé. Faut que je teste. Lilu 3 Double Trouble, c'est tellement naze. Et sauf s'il a une spot DM. Bah non. Parce qu'au niveau 7, tu peux rentrer 6 DM plus cavalier. Tu fais quoi? Tu mets 6 DM plus un deuxième Nunu. C'est pareil que cavalier, donc c'est littéralement une dead augmente. Oh là là, c'est légendaire. Bah, je pense qu'on fait tout 3. Hein. On a 5 Nida. Ouais, je sais pas. Je me dis que je peux faire tout 3. Pour le moment, on garde tout, quoi. Mec, le Cactus Ice, c'est pas mon préféré, mais faut avouer qu'il est bon, tu vois. Voilà, je disais ça au cas où. Et lequel ton préféré, c'est Galaxy ? Je dirais que c'est le Rocket Pop. Le Rocket Pop, en vrai, il est légendaire. Attends, mais j'ai eu full... Ah, let's go ! La Suspeur. Oui. Ouais, la Suspeur. C'est débile, la stats de l'item, hein. Ah oui et non quoi, parce que si ça serait pas là... Si c'était pas là. C'est bon les fautes si comme ça là. Oh, oh j'en ai marre. Hein. Je roll un peu. Ouais. Quoique, Volta il a dit faut pas roll. Ça vient tout seul.
En gros, 2, 4, 6, 7. Là, je push Lux. Là, je push Lux ou une deuxième Nida. Attends. Ouais, je push Lux. Un push Lux. Et en gros, ils... genre, elles viennent toutes seules. Maintenant, je vais avoir des box. Je peux okay. avoir... Tu sais qu'il y a même une box où tu peux avoir deux fois le one cost avec des gold. Bon, bah, je vais pas chill du coup. Hmm? Je vais pas chill du coup. Ouais, là, on chill, je pense. Et après, on avance. Et en gros, il faut pas tout le temps roll des 3 stars. En gros, t'avances. Si ça passe 3, tant mieux. Sinon, sinon c'est pas grave, ouais. Et en fait, t'as plusieurs options. Tu peux juste pivoter sur Xayah Guild. Ou bien tu peux. Enfin, ça dépend. Si t'as Lux carry, tu peux jouer des carry AP. Si t'as Nida, ouais. Nida carry, tu peux jouer Xayah Guild. Et un dernier truc que tu peux faire, c'est que tu peux faire Nida 3 into fast, fast 9 shapeshifter 4. Ouais, 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 ok. Ouh, le 2, j'aime bien. Le Trill, je le trouve vraiment incroyable. Ouais, ouais. Avec Death Dance, Trill. Oh. On peut check, mais c'est jamais ça. Hein. C'est jamais ça. Bah, en fait, c'est tentant, mais. Tu crois que c'est ça? Non, c'est jamais ça. Bah, c'est, très, c'est, pas... c'est très tentant, mais je pense que là, le Astral 7 étoiles. C'est un peu plus fort, mais sur le long terme, c'est moins bien. Je pense. Vu que là, tu te laisses la porte ouverte de Nida 3, quoi. J'hésite à mettre une deuxième Nida Lee. Je sais pas si c'est plus fort que Mage. On a Sylas pas... quand même. C'est pas non plus. Sylas trop fort avec Mage. J'en pense quoi de Nunu Dragon Monster? Bah, c'est broken, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a moyen de jouer un peu autour, tu vois. La Swisper, déjà, c'est une bonne idée. L'Antil aussi. Et en vrai de vrai, 4 shapeshifter c'est le counter. Ouais, Zrot aussi c'est super fort. Zrot ça tempo bien, genre il doit. Si le Shimmer c'est GS, des runnings et Turbo c'est free win, t'as juste à jouer Ida. Après, oui, ça casse les couilles parce qu'avec 3 fois rien il peut fast 9, mais bon. Ah, dommage. Tu penses quoi des cactus dans le Huck? C'est bizarre ta question un peu, frérot. Très bizarre. Très étrange. Là, il faut rester entre 7 et 9, et le prochain palier, c'est à 10. Non. Genre là, par exemple, on pourrait passer à 10 en mettant 2 Nidas, tu vois. Mais du coup, t'as plus de Nidas. Mais sauf. Du coup, tu peux plus avoir des Nidas. Mais tu peux avoir des composants. Et moi, je trouve que c'est quand même cool, les composants. On a perdu la win streak. Là, on peut farmer des composants et pivoter Xayah Guild. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est l'option la plus stable. On peut push Gnar au next. Toutes ces Runan? Ouais, Runan ou Q. Enfin, je pense que QSS c'est pas dégueu, mais. Parce qu'il y a un. Tu peux mettre Eternal. La Death. Moi, je pense que ça va être QSS. Ouais, du coup, c'est Death Den sur Jace ou sur Shiv, un truc dans le genre? Ouais, c'est ça. En gros. Et tu sais que j'ai joué Zippy en transi, stage 3, stage 4, il fait le taf de ouf avec des items. En fait, stats augment à la Thrill ou genre IE Hoj, et il fait du bon taf. Ouais, je suis d'accord. Et il est bien avec Ginzu parce qu'il est très tanky et il reste longtemps en vie. Ça sent un truc que je connais et que j'aime bien, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Ça me frustre. Ça va être Runan, je pense. Hein. Ouais. Ah, Runan ou QSS? Ah, ça fait Gnar 2. C'est chiant. Oh, ouais, Runan. Un bon item, Xayah. Surtout avec la Swissor. Je sais pas si on prend ça. Pas mieux que Nida. C'est peut-être mieux que Nida, hein. Mais on a pas Twitch. Non, t'as pas Twitch, sans Twitch je pense pas. Après, c'est pas un level up Varus 2 hein. Si mon bro, on est à 12 là. Le problème c'est que le prochain palier il est à 13. Entre 10. Griffer, mais...
Non, en vrai, c'est ça, la tech, c'est ça. Je sais pas si on le prend, Zvarus. Je pense que si, hein. Je pense qu'on le garde, on le garde, on le vend pas, mais on le pose pas pour l'instant. Ouais, ouais, mais... Ça joue avec Xayah, le 3 Sweepshot en prend bien. Ouais, mais il va hold des items, en fait. Il peut aussi. En plus, Runan avec Trill, ça va être fort, je pense. Ouais. What the fuck, Cannoneer, bro? What the fuck, so skill, dude? Mais ça, j'ai joué ça un peu plus tôt. Ok. Là, tu vois, les récompenses, elles sont... Stealey! Voilà, tu vends une Nida à 2, et tu mets Varus pour le palier. Tu mets les items? Ouais. Ouais. Je sais pas si tu mets à Devdance. Si, tu mets Devdance Corner et Runan la Super Varus. Et au moment là, tu drops un troisième item pour lui. J'aurais peut-être dû poser Ida ce tour-ci. Et le troisième item, c'était ça. En vrai, c'est peut-être prendre Nidas, hein. Non, c'est prendre Nidas et Jax. Il y a peut-être un... Ouais, c'est ouais, un qui se perd. Parce que là, Runan Last Whisper plus Draven Axe, c'est un très très bon combo. Oui. What? Genre, t'as un Nasus. T'as vu pas ce qui s'est passé? Ouais, la Karma s'est décalée. Ok, c'est bon. La sidestep, donc. Tu vois, mec, sympa quand même d'avoir des petites belts gratos comme As. Ok, non. Il y a un petit Jace. Je pense que c'était ça le board en vrai. Ouais. Je pense qu'on garde pas ces Vlad là. Jace on l'achète, c'est sûr. Il y a un monde où on joue 4 shape, mais je suis pas sûr. Je sais pas, donc ça se coûte pas d'écho, ça se garde. Pas 5 shimmer. On peut check en fast, mais... Oh. Je peux être bien sur un side carry, mais c'est... Pour moi, ça vaut pas le coup de ruiner le board pour ça. Pour moi, ça va être Shivan Idas, le Xayah carry. Oui. Est-ce que c'est pas Diclo Idas, là? C'est Diclo, 100%. Mais plutôt sur Skarner en fait. Et on fait une trap claw. Non, tu veux jouer avec Idas toute la game? Je pense, ouais. Je sais pas, hein. Why not en vrai? Si, si, on peut, hein. Ouais, t'as des items front. Ouais, ça se fait. Dans ce cas-là, c'est trap claw, je suis d'accord. Sinon, c'était genre une. Niveau 7, il a Jace 2 chez Vanna. Wow. Putain, ça joue au jeu ici, hein. Imagine tu rolls au 7 avec le Tormaid. Ah oui, c'est vrai. Il a pas un bench full. Oh, le niveau du joueur. Ça me paraît bien, Best Friends. Best Friend, ouais. Après, j'ai une trap claw. C'est pas grave, je trouve. Pas grave, hein. T'as pas besoin de mettre 3. Sinon, je peux roll. J'aime bien Best Friend, moi. Moi, j'aime bien roll. Ouais, tu penses à quoi? Ouais, oh, vas-y, on prend Best Friend. Y'a pas beaucoup mieux, hein. Leur bench is full. Ah, tu vois, c'est cette box là qui est rigolote. C'est bon. Oui. Est-ce que le front? Best friend front? Je pense que je vais cut quelques astrales. Hein. Hello. Ah merde! Oui, oui, excuse-moi, je suis en train de réfléchir aux items. Du coup, c'était ça et... Ouais. Lui, il va dégager de toute façon. Oh, mais tout le monde joue Xayah. Au pire, on fait... On aurait peut-être dû faire Varus 3, en vrai.
Il y a un monde où on joue Graze avec Runan, Last Whisper, Death Dance. C'est à chier, gros. C'est vraiment à chier. Pour le coup. Ouais. Ouais. Là, si tu joues pas 4 codes à Nir, c'est nul. Triste. Merci Matt Stone, merci pour les 5 mois. Je pense que Vlad, en fait, tout ça, ça dégage là, je pense. Ouais, il va falloir cut les astrales et rôles un peu. Pas spécialement cut les astrales, mais ça, ça dégage, c'est sûr. Fais gaffe à ton best friend. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'oublie à chaque fois, mais. Death Dead le Jace. Ça, je préfère sur Shyvana et j'ai pas envie de rebuild. Pas envie ouais, de rebuild je te Jace. Dis, à tout moment, t'as un Jace 2 et t'as toujours pas de Shyvana. Ouais, on verra. Là, c'est Jace 1, on s'en branle. S'il passe 2, je lui mettrai. Comme ça, on est d'accord. Parce que là, on gagne du temps en fait en mettant ça là. Ok, c'est bon. Dans ce cas-là, c'était Pednar, non? Ah non, au cas où Jace passe 2. Ouais. Merci Théo, merci pour le 18 mois. Merci. Thank you very much. Mucha gracias. Après, c'était une Nomzy Canonir. C'était peut-être vraiment Graves, mais. Tu sais qu'avec Nomzy Canonir, c'est cool de jouer Graves. Oh là là. Ouais. Mais je préfère ça sur un Swift Shot que sur Graves. En fait, ça, ça fait scale l'attaque speed. Là, ça, tu bénéficies beaucoup plus de l'attaque speed que de l'AD. J'aime bien Canonir avec Runan Last Whisper. Je trouve le combo est fort. Bah non, justement, le Runan, c'est pas fou sur un Canonir. À moins d'avoir Deathblade à côté ou quoi, mais. Je pense. Je Belt, pense c'est cool, plein non de dégâts multiples. Ouais, Belt, c'est trop bien. Ou Cloak pour Stoneplate. Je préfère avoir Mahu dans son spot. Ok, j'aime bien. Ou Redemption. T'as déjà un peu d'armure avec le Best Friend et la Sunfire. Mais tu vois, genre là, on est bien en écho, on est bien en tout, quoi. Astral, ouais. C'est vraiment fort, je trouve. Ça me fait penser à Yordle. Tu sais, c'est des bonnes unités. Plus ouais. Ça donne de l'écho. Ouais, je suis d'accord. Ça donne envie de roll un peu, mais. Oh! Oui, mais lui, hein. La Dravenax avec 50 balles. Ouais, je pense que là, Dravenax, c'est trop fort. On a Runan, quoi. C'est... Bah oui. Du coup, c'est peut-être Redemption, finalement. Mais... J'aime bien Redemption. Ouais, j'aime bien Redemption avec une Stoneplate. J'aime pas Redemption sans Stoneplate. C'est ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je préfère Guardian que Sage. J'allais le dire. Après, Tu vois, tu pourrais mettre Guardian et t'enlèves en fait, Lux et tu mets Xayah. En fait, regarde la HP de Jace. Ouais, mais vas-y. En fait, il profite deux fois des HP. Mais Rakan, Xayah over Lux, Sage. Moi, je suis ok pour ça, en fait. Ok. Mais je veux pas que de Sage, là. Je pense qu'elle donne trop d'HP à Jace qui est Shapeshifter. Lui, il casse bien les couilles. Encore un français, comme par hasard. Après, il a pas beaucoup de dégâts en vrai. Bah, il a un Nomzy AP. Oh, c'est bizarre son gear, mais. Nomzy un hybride. Peu hybride, mais du coup, il excelle pas trop, quoi. Ah, il a casse dans le vide, mon Varus. J'ai Trill en vrai. Trill. Putain, mais. Fallait auto! Warmog, Archange. C'est très bien ça. Hein. C'est pas un go 9 là? Si. On va pas roll Xayah. Hein, Archange ici. Warmog. Et on met Trap Claw Twitch. Comme ça on en a deux. Ouais, ou Chase, mais comme tu veux. Ou Gnar.
Gunnar. C'est bien front. Ouais, c'est du dodge et puis. J'aime bien mon spot là. Yasuo, je crois qu'il rentre jamais. Hein. Enfin, littéralement jamais. Je sais pas, dans le loot, garde-le, non? Non, je vais le gratter 5 d'AD. Ouais, c'est ça. Un monde où T2 il rentre avec une Dev'den, c'est une Draven Axe au niveau 9, au niveau 8. Non, 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 c'est jamais, ouais. C'est jamais Draven Axe Yasuo. Death Dance, oui, mais. C'est pas un carry Yasuo. Ah, vas-y, voir le studio. Comment ça, Aoshin 2? Ouais, il avait peut-être des Nico. Hein. Blue Buff Yasuo, Bard. Peut-être qu'il a farmé Bard depuis longtemps, je sais pas. Ouais, ça va piquer. Traplo, c'est trop bien dans cette méta où il y a full et Karim, tu vois. Attends. Je crois que je gagne. Hein. Je pense que je gagne hein, avec le stun, non? MDR. Ce combo est trop fort. Hein. La comp a trop de value là. Tout ce qu'on botte super bien, genre. Runan Trill, Last Whisper, Draven Axe, une petite Traplo qui met Yimb, un side carry. C'est multiplicatif en plus. Le board coûte pas super cher. Il en a mis les gens dans la merde en mettant de la pression. Là le skill c'est de pas shake et d'aller au 9. Et j'ai même un peu trop shake au 8 là, j'ai fait trop de rôles inutiles je pense. C'est après oui. Le carreau et tout, mais... Les deux petits rôles. Ouais. C'est une erreur, je pense. C'est pas évident de se dire de go 9 avec un Varus 2 et un Hidas 1. C'est vrai. Oh là là, on farm les... Oh! C'est pas de Kava là? Pas de Swift Shot? Ouais, c'est vrai aussi. Légende. Je sais pas si on push maintenant ou si on attend. Moi j'irai maintenant, après... Il y a la Draven Axe quoi. Ouais, c'est ok maintenant, je pense. Bon, un Varus. Yasuo. Son reste en garde. Donc je Shiv et... Je sais pas si il est carrément le jeu du coup. Ah si on joue Idas, je pense pas. Sage, on va la tège aussi je pense. Oui. Mais faut pas jouer les guilds là. Oh, il y a Jace 2 avec Stoneplate, c'est très très big ça. C'est ça tous les jours, non? Oui. Non, il y a Spellcrit pour Shyvana. On est deux. Ouais, Spellcrit. Ou Jace en vrai. Ouais, Spellcrit et tu vois. Hein. Ouais. En vrai, si tu vois une Shiv avant Jace 2, tu mets tout le gear. Je pense. Ouais. Ok. C'est pas mal tout ça. On lève Gnar. Attends. Ah, et Karim y jouait. Faut retrouver un Karim peut-être. Pour le siège wing. Ouais. Ok. Ouais. Pour monter l'écho, hein. Ouais. Je pense que ça va être important pour Draven Axe. Ouais, je suis d'accord. Après là on a une Shyvana quand même.
Je pense que la très bonne accent, ça va un peu les couilles. C'est pas Daisy lui? Si, c'est commercial machin, hein. Ouais. Son smurf. Et puis comment pour Roll? Oh, ça va. J'ai fait un giga fast 9. Encore heureux, je trouve des trucs. Mec, j'ai une question existentielle. C'est quoi cette image de profil avec la photo de l'inspecteur? Je sais pas, mec. Je te jure, ça me prend la tête. J'ai juste suivi les autres, moi. Je cherche la signification depuis 1h30. Je trouve pas. Attention la backline qui va se faire one tap. Oh non, lui aussi la trill. Je suis mort. Et... Allez, allez. Gros, il pibe à 8 lui. Après ça me traite de high roller. Karim, c'est bien pour Vikios. C'est ça la combe du coup? Ben, je pense, ouais. Je pense que Sage Bard, c'est pas plus fort que Idas, hein. Non. Parfait. Et Karim, hein. Ouais. Le parrain. Non, il faut remonter l'écho à balle. Lui il est chiant, mais je pense que maintenant j'ai plus aucun problème avec Shyvana. Je vais avoir un composant à bientôt là. Et si c'est le bon, j'ai gagné la game. Genre si c'est arc ou armure, c'est... Oh, ça met trop bien. Ou spat, hein. Oh ouais. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je dis ça comme ça, hein, mais... Oh. C'était Yasuo. Yasuo. Lui. Alors on attend le prochain. Sinon on peut mettre un 7 à place de ça et on met une spade Drago sur Jayce, hein. C'est un peu de degen, mais... Ça vaut pas du tout le CC des Karim. Ouais, c'est vrai. Bon, tu peux baguette Jayce, n'importe ce que c'est, ça partira dessus. Ouais, c'est vrai. Ça va être dur, mais niveau 7 quoi. Et Karim? Ah non. En vrai, je préfère le Zephyr par sur Idas que Ekarim. Tu sais, Ekarim il met son cast, il meurt et. Yep. Son Shyvana va pas prendre le focus. De toute façon, on a une Death Dance. Ah, c'est trop chiant Zira, mec. Ouais, je perds ça là. Ouais. Si. Ah non. Si. Niveau 7. Non, j'ai pris 50 stun Zira. Je pense pas qu'on roll, hein. Non, mais ouais. Putain, on a j'ai, pas de paire, j'ai hein. pris 50 stun backline alors que j'ai une trap claw, genre. Je comprends pas. C'est quoi cette comp? C'est naze, non? Ça change. Après, il a une Séraphine 3. Quoi. Il s'est bien placé pour moi, nice. Le Karim.
Là, Xayah se prend pas des random CC, ça se passe mieux. Ouais. Il y a une AD à Xayah. Pas mal les removers. Ça remove sec. Oh, ça sur Ekarim. Protectors ? Ouais. Ouais. Sinon, il y a Titan, mais. Non, il y a Kalis, c'est pareil, sauf que ça donne de la paix à Jace. Non, bah les couilles. Ça, ça donne des résistances à tout le monde, genre. Et c'est beaucoup plus de starting mana. Je sais pas si tu sais, mais ça, ça donne 15 de starting mana en plus de la tire. Hein. Ah ouais ? Ah ok, tu savais pas. Je m'ai fait gaffe ça. Bah, je pensais que c'était juste une tire, quoi. Non, non, c'est 15 et 15. C'est 30, ça. C'est ça que c'est broken de ouf, ça. Ouais, Karim. Bah oui. Oh non. Putain les problèmes. Il va sur Shyvana donc ça va. En fait t'as Xayah, t'as pièce de... Oh. Yasuo est mort. Yasuo est mort. J'ai Trail of Zend. Oh ça casse trop les couilles. Oh ça casse trop les couilles. Ça s'est trop bien passé pour lui. C'est pas grave, top 3, top 3, top 3. C'est une belle game. Le game était clean. C'est une belle game, c'est une belle game. Rien à dire, j'ai juste trop roll au 8 pour 0 raison après le carreau. J'aurais pu aller au 9 plus vite. Mais c'est une belle game. Mais c'était QSS tous les jours. Par contre, c'est. Je sais pas, genre, j'ai l'impression que quand je joue Xayah sans QSS, c'est injouable. Genre, tu prends toutes les IRA, les trucs trop chiants et tout. Ouais, c'est dingue. En plus, on avait une trap low et tout, mais ça n'a pas suffi. Ouais,